Allez, avançons gaiement, continuons d'avancer dans cette aventure incroyable qui est Slime Rancher. Enfin, maintenant en plus je peux sprinter sur tellement plus de temps. Oh, ça fait du bien. Ah mais c'est vrai que j'ai un jetpack aussi, j'ai acheté le jetpack. Let's go. Le jetpack c'est trop bien en vrai. Ça permet vraiment de faire des trucs de ouf. Tu as dormi by the way? Ouais, j'ai dormi 2 heures. Toujours les meilleures têtes d'au revoir. Toujours, toujours. Hop. Onde de choc. Ah nice, ça c'est trop bien. Ça il me le faut instant par contre, genre no joke. Il me le faut clairement instant. Ah mais attends, je peux y aller à fond là, c'est bon. Petit ponton. Nouvelle zone. Ah putain, c'est vrai que pour aller dans les nouvelles zones, il faut une clé. J'avais complètement oublié ce détail. Merde. Oh non. Oh la merde que c'est. Ok. En gros, pour avoir les clés qui me permettent d'aller dans les nouvelles zones, il faut que je nourrisse cela. Les gordos. Et en fait, pour les nourrir, enfin, il faut, du coup, il faut que je récupère juste de la bouffe et que je leur donne masse. Mon simple problème, c'est que le premier, enfin celui-là en tout cas, il bouffe que des putains, enfin il bouffe que de la viande. Et donc du coup, vu qu'il me faut de la viande, il faut que je collecte des coquettes. Mais les coquettes, vous le savez comme moi que c'est une denrée rare sur le ranch, et donc du coup c'est chiant. C'est chiant de ouf même. Je vais essayer d'en trouver un autre. Je vais essayer d'en trouver un autre. De préférence un rose, ça m'arrangerait énormément. Non, pute. Voilà, on va partir en collecte de fruits. Enfin, et de denrées alimentaires. Vous avez vu, en plus, ils pourrissent quand on les ramasse pas. C'est vraiment du gâchis. Oh, il y a une caisse. Peut-être qu'elle va me donner un truc bien. Ouais, de la bouffe. Je suis chaud. La bouffe, je suis chaud. Ouais, la rigueur. Vas-y, tu sais quoi, je dégage ça. D'accord, il y en avait une autre. Putain. Vas-y, ça me gave. Ça me gave de ouf. Putain. Parce que par exemple, lui là-bas, peut-être qu'il va me donner une clé. Après, ils donnent pas forcément que des clés. Ils peuvent aussi donner d'autres trucs. Des trucs plus ou moins intéressants. Du coup, je peux être unlucky. Malheureusement. Malheureusement. De la bouffe. Malheureusement, ils ont bouffé déjà toutes les coquettes pour changer. Bande de gros porcs. Ouais, des pogo fruits, par contre, ça m'intéresse. Faire la cueillette directement depuis l'arbre. Allez! Nice. Putain, y a tellement de plortes en vrai, j'ai tellement envie de tout ramasser là. Ça me ferait de la thune, mais j'irai. Plus tard ou maintenant? Non, plus tard. Pour l'instant, je retourne pas à l'enclos de toute façon, donc ça peut attendre. J'ai pas de carottes ici, j'ai peut-être des carottes là. Ouais, déjà il y a des pogo fruits ici. Nice, salut. Des carottes ici. Bien wesh. Bien wesh. Ok, on va déjà essayer de le nourrir avec ça, voir ce qu'il nous donne, s'il nous faut encore de la bouffe ou non. Et de deux. Hogan Ortiz. Ah, nice. Ça doit être la zone d'échange, j'imagine. Faut que j'aille regarder. Alors, toi, gros porc, que vas-tu me donner? On va voir. Ouais, c'est vraiment des gros porcs, genre. Ah, il va bientôt péter. Nice. Nickel. Et de 1. Il m'a donné quoi? J'ai une clé. Nickel. Oh, j'ai des radis. Nickel, ça. Betterave de cœur. En vrai, c'est nice. En vrai, c'est archi nice. Je peux en prendre encore. Ça, je m'en bats les couilles. Ça, je veux bien prendre. Ça, à la rigueur, ça peut me servir. On sait pas. Ok, les radis, il va falloir que j'en fasse un élevage parce que c'est dur à trouver, à récolter. Ça me servira pour plus tard. Enfin, la betterave de cœur, pas des radis. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je retourne à l'enclos. Je sais pas. Est-ce que je retourne à l'enclos? Bonne nuit à toi, Opium-sama. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais de ma vie, genre? Faut
faut que j'aille voir aussi les beurs qui me fait en échange là. Faut me servir ça. Bon, je vais commencer à lui filer de quoi bouffer à lui. Ok, nice. En vrai, j'ai ramassé des carottes qui vont pas me servir, je pense. Parce qu'il va falloir que je les tège pour reprendre d'autres trucs qui me serviront plus. Hey hey! Hey hey hey! Us! Nickel! Nouvelle zone! Le tapis de mousse! Faire qui écho dans les fentes d'un rocher. Cette expansion d'émeraude nous donne envie de creuser. C'est joliment dit. Bien. Alors. Qu'est-ce qu'on peut ramasser d'utile? Il y a les slams d'eau. Ok. Enfin, les portes d'eau qui donnent pas mal de thunes en plus. D'accord, ça c'est des rocailleuses. Je suis chaud. Enfin, quoique. En vrai, non. Pas ainsi. En vrai, si. Si, si, si. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais dégager tout ça. On s'en fout. Vous avez vu le petit slime en haut à droite là? Le petit boom? C'est pour moi, bébé. Eh oui, les slime boom. Ça part. Alors, on a un slime boom. On est content. J'ai pas exploré la zone à fond. J'ai juste prendre les slimes qui permettront de faire plus de thunes par la suite. Ah, mais attends, mais il faut que je ramasse deux trucs. Ah, je vais même devoir me séparer de mes coquettes. Feels bad. Feels bad. C'est quoi ça? Oh, c'est la pelote de laine. Faudrait que je la prenne avec moi en vrai. Je vais la prendre avec moi. Je vais la prendre avec moi. Les musiques sont trop bien par contre. Ça c'est en surbrillance. Ah, c'est les pommes. Nice, c'est ce que je voulais. Un petit slime boom au passage. Slime boom encore. Slime boom toujours. Plus de slime boom. Et les slime, y'a-le. Je suis full, je suis full. Nice. Ok, là on est bon. J'en ai combien? J'en ai 6. 7, 8, 9 avec le slime mielleux. 10. Je peux pas craquer la. Je peux pas craquer ça pour l'instant si. Ok, si j'ai bien fait. J'en aimerais bien un dernier. Là. 10. Nickel. On est bon. On peut très rang à la base. Alors. Parce que en gros, ce que je tiens donc dans mon vague pack, enfin dans mon aspi pack, en gros ça va me permettre de. Ça va me permettre en fait de pouvoir. Enfin, en gros, c'est un jouet pour slime qui fait que quand il est présent dans l'enclos, les slimes sont moins agités et donc ils font moins chier. Ce qui est plutôt pratique. Par contre, je ne sais absolument pas où je suis en train d'aller. Je sais absolument pas où je vais là. Là, il me faut une clé, donc je suis au mauvais endroit, j'imagine. Et merde, je suis perdu encore. Les enclos dans le même endroit où c'est spécifique aux slimes. Quoi? Non, les enclos, tu peux tout faire. Tu peux tout faire à n'importe quel endroit, en vrai. Je peux me barrer par là avec le... Jamais. Comment je me barre? En plus le bruit du vapac qui aspire en permanence, c'est un enfer. Merde, comment je me barre? Non, je suis bloqué. À l'aide. Putain bro, je suis Keblo. Mais quelle merde. Comment je me casse? Là, il va y avoir un téléporteur, je pense. Bon, du coup on va devoir explorer la zone hein. Désolé pour le bruit du coup mais Ah, des méchants slimes. Aïe! Nice. Je récupère ça. Aïe! Putain. J'ai préféré les mielleux en vrai au slime boom direct. Nice, des pommes. Toujours plus de pommes par contre. Aïe! Ma plotte de laine, elle est où? Non. Je l'ai perdu.
Ah, elle est là. Nickel. Ok, ça va. J'ai réussi à récupérer tout. On est content. Ça, c'est pour Bibi. Ok, bon je suis en train de m'enfoncer dans le territoire alors que de base j'avais dit que j'irais pas dedans. Ah voilà, il y a un téléporteur, c'est bien ce que je pensais. Bon, je suis quasi sûr. Nice, nice, nice. Bah les couilles, bah les couilles, bah les couilles, bah les couilles de ça. Le slime chasseur, let's go. Bon par contre là je vais avoir un petit souci, je sais pas trop comment je vais me... Ouais parce qu'en plus j'ai dégagé mes betteraves du coup. Faut que je récupère mes putains de betteraves en vrai. Je dois faire un choix. Je vais devoir revenir je pense. Bon j'ai viré les pommes. J'ai viré les pommes en premier. Je vais aller chercher autre chose que les pommes. J'ai besoin absolument des betteraves. La pelote de laine. Allez là. Là hop, je mets TP à l'enclos. Ah elle est restée la pute, elle revient pas avec moi. Ah ouais je suis unlucky. Oh non. Et du coup, ah ouais, oh putain, c'est chiant. Bah du coup, ça, avec ça, et il me faut un nouvel enclos. Putain, ils ont absolument pas bouffé de la journée, t'es sérieux? Putain. Ok, toi t'as besoin de quoi? Je pars dans une nouvelle recette, tu veux bien m'aider? Des pommes, des... Ouais, d'accord. Tu me donnes quoi? Ouais, je sais pas si c'est vraiment avantageux, en vrai. Parce que ça, ça va me faire vraiment cher à récolter. Les bocofis, ça va, mais les betteraves... Les pommes, ça va, mais les betteraves, ça va me casser les couilles. Surtout que j'ai pas de thunes, genre. Il me fait plutôt chier, là, en vrai. Comment je vais m'en sortir? Oh putain, l'enfer sur terre. Là j'ai un petit souci là. Comment je fais? Ah mais non mais c'est bon je peux... Yes, ok ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux m'organiser, je peux m'organiser. Nice. Nice. Du coup, fais péter, il me faut un jardin. Nice. Sol riche, arroseur. Bravo. Maintenant que j'ai ça, il va falloir que je retourne de l'autre côté pour aller chercher les pommes et les pokofruits. C'est parti, on y va. On y va. Putain, l'enfer. Enfin, et d'ailleurs, il faut que je réfléchisse à un autre truc. Qu'est-ce qui pourrait être sympa comme slimes pour faire... Nuino. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Du coup, il va falloir que je chope des Lumino, c'est ça l'histoire. Faut que je chope des Lumino. Faut que je chope des Lumino. J'ai trouvé, j'ai une petite solution, j'ai une petite solution sympa. Vas-y, je les récupérerai après. De toute façon, ils vont respawn à l'infini la nuit, donc c'est ok. Salut à toi, Artinga! Comment ça va? Ah, quoique. Je vais faire ça plutôt. En plus, c'est la nuit, vas-y, j'en profite. Je cheat un peu, mais vous en faites pas. Vous allez voir, ça va être incroyable. Et du coup. Ouais, du coup, j'ai pas besoin des betteraves en fait, je me suis cassé les couilles pour rien. J'avais pas pensé à ça. Ah, mais il me faut une clé, putain de merde, il me faut une clé. Ok, il me faut une clé. J'accepte. I need a key. Et du coup, il me faut des putains de poulets. Il faut absolument que j'arrive à... Non, ça c'est pas un poulet ça. Parce que j'appelle un poulet. La bouffée, j'imagine, peut au fait que j'ai sorti par inadvertance. Pute.
Vas-y, tu sais quoi, je ferai les minutes plus tard. Il faut d'avoir un poulet. Ça peut aller, toi? Moi, ça va. Bah, écoute, si ça peut aller, c'est que ça va pas. Donc, du coup, on va essayer de faire en sorte que t'ailles bien. En tout cas, que tu t'amuses. Que tu tentes les idées à travers ce stream incroyable de la bourse du caca, mon ami. Putain, je vais me faire baiser. Il me casse les couilles, lui, ça me casse les couilles de trouver de la viande. C'est ce qu'il y a de plus chiant à trouver en vrai. Et c'est ce qu'il y a de plus chiant à faire. Le slime sauvage. Meurs! Il disparaît à jamais. Bien. Du coup, faut que je récupère des pommes. Potentiellement aussi, peut-être des slimes à queue. Parce que ça peut me faire de la thune de manière complètement gratuite. Donc pourquoi pas. Après, ça me fait chier. Non, je les prendrai plus tard. Je les prendrai plus tard. Youpi. Ok. Alors, une fois qu'on est ici, j'essaie de garder le maximum de viande que je peux trouver. Pogo fruit, nickel. Ça me fait 4. Il faut que je récupère 5 pommes. Alors, je vais m'en prendre 5 au cas où. Même 6. Les fruits, pas besoin. Je vais récupérer les pommes. Pomme, 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 les pommes, les pommes, les pommes, les pommes, les pommes, les pommes, les pommes. Ça, je récupère. Non, c'est pas ça qui m'arrange. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous aussi. Putain, par contre, je sais jamais où je dois aller, genre. Je pense que je suis sur la bonne route. Faut que je trouve la map en vrai. Ça me pourrait m'aider de trouver la map. Ouais, non. C'est pas là que je voulais aller. Ah, c'est ici. Alors, est-ce que je peux trouver des pommes quelque part? Parce que j'imagine que celles que j'ai jetées dans l'eau tout à l'heure, elles sont déjà hors d'usage. Je vais quand même vérifier. Des poules auront 7. En vrai, ils ont changé le nom des poules. Avant, c'était déjà une poule, c'était une coquette. Et genre, ça s'appelait coquette pierreuse. Et tout, etc. Nice, elles sont encore là. Ah, mais attends, putain, j'ai récupéré un plort en trop. Là. Là. Yes. Il y a un slime invisible là où je rêve. C'est un chasseur. 100% l'argot chasseur. Ok, nice. Là, c'est des frubes, schnocker. Aïe! Ok, ok, je me barre, ça va. J'ai compris le message, aucun problème. Non, bah non, c'est tout. Ok, j'ai 6 pommes. C'est pas assez, il m'en faut une dernière. Et il me manque... Ouais, les betteraves, c'est ok. Ah mais du coup, ça, c'est trop chiant que je puisse pas la prendre avec moi. Fait chier. Alors. Pour commencer, on va mettre un arbre à pommes ici. Est-ce que ça a poussé? Pas encore. Génial. Il me reste encore combien de temps pour lui? Encore 9 minutes. Ok. Ok, ok. Bah écoute, en attendant, il y a un filet ou pas ici? Il y a un filet, c'est ok. Voilà, comme ça ils vont me faire des mix. Je suis trop con. Pourquoi je leur ai jeté les pommes alors que j'en avais besoin pour lui, putain. Vas-y là. ça me fait trop chier. Ah, en plus, ça pourrait me servir les coquettes. En vrai, j'en ai besoin. Ok. Je vais dormir. Aïe. Je m'appelle Hogan Ortiz. Je suis éleveur comme toi, mais je me vois surtout comme un agriculteur. Je suis venu à Far West pour cultiver des fruits et des légumes, comme on faisait sur Terre autrefois, en mettant les mains dans la terre. Savais-tu que les carottes amélioraient ta vision nocturne? Non, vraiment, je ne comprends pas pourquoi les éleveurs n'auraient pas la première occasion de se perdre la nuit dans l'ouest, ça peut être très dangereux. Enfin, je m'importe, on se parlera via la zone d'échange. Je n'élève majoritairement que des slimes qui mangent des fruits et légumes, attends-toi donc à ce genre de requête de ma part.
J'ai hâte de rentrer avec toi, Hogan Ortiz. PS, as-tu déjà entendu parler du gingembre ambré? Il s'agit d'un légume mythique qui serait l'aliment préféré des slimes dorés, tout aussi légendaire. Ah ouais? Ok. Alors, dormir jusqu'au matin, revenir au ranch. Il nous reste combien de temps? Voilà, notre cher ami, 5 minutes. Alors, j'ai les betteraves. Mais j'aurai jamais les pommes. En 5 minutes. Quoique, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, je vais rester dans la zone pour voir. Mais j'ai un doute. J'ai un petit doute. Bon, va falloir aussi que j'améliore mon ranch, là, en vrai. Mine de rien. Parce qu'en gros, genre, après, on peut, tu vois, on peut améliorer en achetant. C'est combien, d'ailleurs? Ah, c'est 1795, quand même, hein. C'est pas une si mince somme, hein, mine de rien. Ok, 835 navets parce qu'ils ont la dalle. Calmez-vous, j'arrive pour vous soulager. Oui, ils commencent à avoir la dalle aussi. Il va falloir que je trouve des fruits. S'il te plaît, donne des pommes. 5 minutes. Inch'Allah. Le développement focus, c'est fou. Mais ouais, mec! Je gagne 100% de mes solo queue, je perds 100% de mes duo queue. Ouais, mais ça, t'inquiète. C'est moi aussi. Moi aussi, je suis dans ce cas-là. C'est terrible. C'est putain de terrible. Bien. Je récupère des portes parce que là, j'ai besoin de tuer. J'en récupérer 30, ce sera déjà pas mal. Puis je peux pas trop m'éloigner de mon ranch. En fait, le problème, je pense que si je vais de l'autre côté, je pense que quand je reviendrai, j'aurai plus de thunes. Ok, nice. Je vais avoir besoin de pommes après. Bon, je vais faire des allers-retours pour vendre des plantes roses que je trouve dans la nature. Ce sera un bon début. Parce que normalement, s'il me file les coquettes, je peux trouver une clé. Et si je trouve une clé, je trouve une nouvelle source de revenus qui va être incroyable. Incroyable. Genre, je vais me faire des thunes comme jamais, genre. Reprenons. Fais-moi des pommes, putain, espèce de... Ah ouais, mais j'ai pas le sol riche aussi. Enfin, j'ai pas l'arroseur. Merde. Vite, de la thune. J'ai besoin d'argent. Ah, j'ai plus beaucoup de temps. Merde, je suis full. J'ai plus beaucoup de temps. C'est la merde. Ça, je m'ai fait quand même pas mal de thunes par tournée. Ça, c'est cool. Ah, nice, je vais avoir les pommes. Yes. Let's go, baby. Je vais faire des thunes monstrueuses. Alors, on va commencer avec ça. Nickel, bébé. Ouais. Je vais d'abord les nourrir eux. Alors, donne-moi tout ça. Que je me mette bien. Voilà, une plante de chasseur, c'est magnifique. En vrai, je suis deg du coup parce que j'avais pas besoin de le... J'ai cru qu'il s'était barré, putain. Okay, nickel. Enfin, j'aurais pas besoin de le capturer si j'avais su. Bon, tant pis. Du coup, maintenant que j'ai une plante de chasseur et que j'ai 15 poules, normalement avec 15 poules je devrais être assez safe. Ah, attendez. Là, on va arriver sur les trouvailles, ok? Si je passe ce move, ça va être incroyable. Je retourne sur ce jeu, Love That. Mais bien sûr, mec, ce jeu il est incroyable. C'est incroyable. Bon, par contre, je le ferai qu'une seule fois à l'esprit, une fois que j'aurai terminé le jeu, j'y toucherai plus, je pense. J'irai chercher des plantes plus tard. Pour l'instant, j'ai absolument besoin de trouver une putain de clé. Donc, tant que j'ai pas trouvé de clé, je focus rien d'autre. Ouais, ça, je suis chaud. Merde. Je l'ai eu. Ok, il a bouffé. Coquette, à moi. Bien, ouais.
Bien, wesh. Comment qui joue au jeu sans jamais faire les échanges et qui ferme juste comme un gros porc? Non, je faisais ça au début, mais les échanges, en vrai, j'ai découvert que ça te donnait accès à des trucs très, très, très incroyables. Et très utiles. Donc, du coup, maintenant, je les focus de ouf. Surtout qu'en plus, ça aide vachement au développement de leur ligne. J'ai dû gagner peut-être, je sais pas, j'ai gagné vraiment beaucoup de gold avec. J'ai dû gagner plus de 1000 gold à l'heure actuelle, juste avec les échanges. Ce qui en soi est un bon score. Bien. Parti. Allez, bouffe ta daronne. Ne force pas à donner des coquettes pireuses. Enculé. Enculé, t'es sérieux? Il lui manque une putain de coquette là? C'est en gros, quand il tremble comme ça, c'est qu'il lui en manque genre deux ou trois. Espèce de doux fils de yinche. Oh putain, t'es sérieux? Oh, ça me casse les couilles. En plus, il faut que j'attende qu'il fasse nuit et tout. En plus, j'avais oublié ce détail. Il faut une coquette. Il me faut une coquette. J'ai entendu. Nice. Dis-moi que ça suffit. Dis-moi que la poupoule suffit. STP. Dis-moi que ça va te suffire, espèce de gros porc. Mochi Miles. Ok, nice. Ça, c'est celle qu'on veut, celle-là. C'est celle qu'on veut. Ouais, il faut le bouffer aussi, hein. Genre, à un moment où... Oh, il y en a une autre, là. Il y en a deux qui l'avaient pas bouffé. Mais espèce de gros lard. Mais putain de... Ce doux putain de fils de pute. Ouais, donc du coup, faut que j'attende que ça pop, les poupoules. Génial. Oh putain, qu'est chiant. Ah, je crois que je sais où je peux en trouver, genre. Ah ouais? Non, ça c'est chiant par contre. Y'en a pour voir. Dégage. S'il bouffe mes poules. Ah merde. Aïe. Il a fait un de ses vols plané en vrai. Non. PD. Pas de poule là-bas. J'avais pas comme ça pour l'instant, aucune. Enfin, j'ai débloqué juste celle, enfin le tapis de mousse. En gros, les seuls slimes qui sortent de l'ordinaire pour l'instant que j'ai pu avoir, c'est les booms et les mielleux. Voilà. Et j'ai pas encore amélioré une seule fois mon ranch. Ah, Kaizé qui m'envoie un nouveau message, incroyable du cul. Je rigole, il en manque une. En vrai, c'est large probable. Et j'ai bientôt un spawn qui va arriver ici normalement, donc ça devrait être ok, je pense. Avec deux quand même là-dessus. Ah putain, il me faut une clé, t'es sérieux? Oh mais attends, je reconnais ça. Oh, oh mais let's go. On va pousser en cueil, je m'en carre un peu mais... Ah bah c'est bon là, je suis safe. Let's go. Oh. Let's go baby. Ouais, déjà il y a mon kick. Et il m'a donné un TP. Il m'a donné un putain de TP. C'est même pas une clé que je récupère. Très content. Ah!
Ah, du coup, j'ai accès à cette zone sans avoir ouvert encore? Ça, c'est plutôt incroyable. Ah oui, d'accord, t'as juste accès à ça, genre histoire de... Okay. Je vois. L'arnaque. Bah ok, du coup... Va falloir que j'aille explorer un autre côté, genre, attends. Ah ouais, j'ai pas le choix, faut que j'améliore mon range, du coup. Enfin, je crois. Attendez, je suis en train de réfléchir à un truc, là, mais... Si je dis pas de conneries, je suis obligé d'améliorer mon range pour avoir accès à une nouvelle zone. Ah ouais, faut que je l'améliore. 300%, je suis obligé de l'améliorer, parce que là-bas, j'ai accès à rien. Ah oui, c'est un peu chiant, ça. Ah, je suis un peu baisé, là. Boss Lumos donne une clé. Ouais, mais je sais pas où il est. Je connais pas tous par cœur. Ah, ça me fait grave chier. Ah, ça me fait archi chier. Genre, vraiment. Oh, les shit. J'ai gardé les 5 petits gars avec moi, mais je sais même pas pourquoi. Ah, je sais par contre ce que je peux faire à la rigueur. Déjà, eux ici, 100%, je suis obligé d'acheter ça. Sinon, ils vont me casser les couilles. Mangeur automatique, non. Collecteur de plantes, oui, ça m'évitera de prendre des dégâts pour rien. Ouais, ici, je peux en mettre encore deux, je pense. Mode puissance MK2, je suis chaud. Je suis chaud. La barre d'énergie, ça doit être le truc le plus cool à upgrade, genre, en early. Attends, parce que du coup, ça, je peux tèche, j'en ai pas besoin. J'aurais pas dû les ramasser maintenant, je suis un peu con, j'avoue. Mais, tant pis. Alors, le collecteur de plantes, on est à combien? On est à 30... Pourquoi je suis à 30 d'un côté et j'ai rien de l'autre? C'est quoi ces conneries? Ah, parce qu'ils nous ont tous bouffé pour... Ouais. Bien vu. Ok... Pour l'instant, les pommiers font pas encore assez de machin. Ok, bien. Et du coup, comment je fais? Il me faut de la thune, j'ai pas le choix. J'aurais bien aimé les stacker. Je peux pas. 8. Putain. C'est vrai que sans le mangeoir automatique, tu perds quand même pas mal de thunes. Parce que j'ai l'impression de faire je fais des thunes sur la journée alors que pas du tout. Bon, ça va me faire pas mal de thunes en vrai. Yes. C'est les thunes qui me suffisaient. Alors, je vais récolter ça aussi au passage. Nice. J'améliore là. La luxuriance. Alors, si je dis pas de conneries, normalement, je peux passer ici. Et normalement, ici, sur la gauche, je dois trouver un gordo. Y a pas de slime particulier ici. Putain, c'est encore un putain de glordo à viande. T'es sérieux, espèce de gros fils de pute. Oh, ça va me casser les couilles cette histoire. Fais chier. Non. Putain, en plus si tu le rates. Oh là là. Oh là là. En plus c'est la nuit, du coup je l'aurai. Ça je veux par contre. Alors, est-ce que j'aurais pu l'ouvrir ailleurs? Est-ce que ça... Ah oui, mais il me faut une clé. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas d'autres gordo. Ok. Ça, c'est un vrai bonheur. Ah, je sais. Je sais. Quoi?
La poupoule, elle... Ah si, je l'ai chopé. Ok. Feels good. Alors, on rattrape les fraises instant. Attends. Donne ça. Putain, je vais devoir attendre un nouveau jour. Ça me fait chier. En plus, j'ai pas été faire les échanges et tout. Parce que je suis focus sur mes trucs. Ah, ça casse les couilles. Ça casse les couilles. C'est aussi un TP celui-là, je crois. Ouais, mais c'est un TP qui t'emmène vers un autre Gordo. Vers le Gordo rose, normalement, si je dis pas de conneries. Nice. Parce que là, en gros, j'ai des poules par milliers dans cette zone. Là, je fais tout le tour. Là, ok, normalement je suis bon. Bon, ce sera pas assez, mais ce sera déjà un bon début. Ah, je sais pas où il est le Lumos, moi je l'ai pas vu. Donc, du coup, vu que je l'ai pas vu, je focus sur ceux que je vois, tu vois. C'est moi, il a pas bouffé la moitié de ce que je lui ai envoyé. Espèce de sous-merde. Putain. Il tremble même pas encore. Oh, elle est très loin. Fait chier. Ah, c'est d'un casse-couille. C'est d'un casse-couillisme. Bon, bah, je vais essayer de faire des échanges. Hein, en attendant, du coup. Par contre, il va falloir que je développe des mangeoires automatiques. Sinon, je vais pas m'en sortir. Ok, je fais les échanges. Non, je vais dormir. Je commence les échanges. Je récupère les poulets. Je vais le nourrir. Je chope la clé. Et j'ouvre vers les caves là, je sais pas quoi. Enfin, faut que je leur file à bouffer avant parce que sinon je vais pas m'en sortir moi en termes de machin. Allons-y, let's go! Et les betteraves, c'est la source de nourriture préférée du slime rocheux, donc le bleu. Là j'ai double rendement. Par contre, eux, faut que je les nourrisse en vrai. Il me faut des pogo free pour ça. Putain, mais en vrai, c'est vraiment de la merde. Pourquoi ça produit si peu? Genre, je comprends pas. Putain, c'est un truc de ouf. Bon, à dodo. Allez, email. Ah oui, Moshi Miles. Nouvel élevé dans l'herbe a accepté de vivre en solitaire sur un caillou de l'espace. Félicitations, Béatrix. Je m'appelle Moshi Miles, comme dans Tatsuya Miles, le milliardaire. J'ai rien d'effectué une mission importante pour mon père, mais je crois pas que je vais me priver de ridiculiser ses campagnards au passage. Personne ne conquiert le marché du plort comme moi à force du poignet. Mon père me donne pas mal d'infos. De première main, je vais donc exiger les plortes qui me rapporteront beaucoup d'argent par la suite. Je te souhaite donc bonne chance. Qui sait, tu arriveras peut-être à la seconde place et au moins tu pourras dire à tes amis que tu as filé un coup de main à la grande Moshi Miles dans sa conquête de Far Far West. Incroyable. Catin et elle, je vais arrêter de lire parce que ces chiens sont l'or. Bien. Dormir jusqu'au matin. Retour aux ranches. On y va gaiement. Ils sont pas barrés. Moshi Miles, on va accepter l'échange. Tu veux quoi, toi? Bon, easy, ça va. Genre, tu fais la belle, là. Tu fais la belle, mais t'as besoin de trucs de merde. Par contre... Ah ouais, il me faut des... Ah ouais. Il me faut un autre truc à pomme, en vrai. Pour l'instant, je vais tout mettre, mais il va falloir que j'en trouve un autre très vite. Bien. Ça aussi... Ensuite, je fais quoi? Ah ouais. Ah, je sais ce que je vais faire. Bien vu. Non, c'est bien ça. Quand je peux faire des essences sans avoir à bouger mon cul de mon range, je suis archi content. 1, 2, 3, 4. C'est bon ? Ouais, j'imagine que c'est bon.
enfiler le reste là-dedans. Ils sont full. Non, ils sont pas full. Ok, baby. 4. Aïe. Et une. Nickel. Ça, c'est free win. Ouais, les coquettes, je m'en... Ouais, quoique, ça m'arrange les coquettes, en vrai. Attends, je vais juste lire un truc là-dessus. L'excellence est une expansion du ranch et elle est couverte de mousse et d'herbe haute. Le fourré calcré permet aux fruits et aux légumes de pousser naturellement et d'attirer les poulets sauvages à l'occasion, ce qui en fera un endroit idéal pour les éleveurs qui souhaitent laisser leurs slimes errer en liberté. Ok. C'est un peu le lore de cette partie du ranch, pas de soucis. Jouer pour slimes. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Normalement, le ballon, je crois que c'est les slimes roses, mais j'ai un doute. Ça leur permettra de se tenir à carreau. Bref! Bref fond. Besoin de poulet, là. Poulet! Ok, pas de poulet. Là. Ok, on est bon. Voilà, normalement, il est censé péter, hein. Sauf si j'ai vraiment raté la moitié des premières poules que je lui ai filées. Auquel cas, il va me falloir un peu plus de time. J'avais pas eu le jetpack, j'étais mort là. Non, il pète jamais là. Nice! J'ai failli mourir. Ok. En vrai non. Ça va trop me casser les couilles. On va faire autre chose. What? Je me suis TP où là? Mais je suis revenu. Ah, j'ai fait un double TP. Attends. Bien. Bon là pour l'instant je no care de tout ce que j'ai récupéré. Je vais têche tout ça. J'aurais pas dû têche les carottes, je suis un peu un mongol. Ok. Bien. Alors maintenant il va falloir que j'aille récolter tout et n'importe quoi. Il m'en faut 50. Il me faut 50 de tout et n'importe quoi. Donc c'est parti. Je vais essayer de prendre des pogo fruits en majorité. Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Par contre je vais pas prendre mes pommes. Je vais prendre des carottes aussi. Oh, on va tout récolter là. C'est parti, une récolte complète. Normalement j'aurais pas besoin des poulets, je vais juste les donner à bouffer à mes slimes. Vraiment un éleveur professionnel. Ok, pour l'instant ça va. Next. Putain, j'adore ce jeu, putain, il est tellement bien. Par contre, tu vois, tu perds un peu la notion du temps sur ce jeu, mine de rien. Genre vraiment. Ah oui, Coco bat les couilles, frère. Non, j'aurais pas dû les ramasser maintenant, encore une fois. C'est pas grave. Ça me fait quoi? 12, 25. Non. Ok, je suis à 47. Non, on est à 37, pardon. 37 donc 42. Oh nice ça. Oh let's go les carottes. Le fruit de la gold dance. Ça part. En vrai si je peux garder mes betteraves juste pour les filer à mes slimes, je dis pas non non plus quoi. Parce que bon. Ah merde, je suis con. Je suis full. Ok, chercher quelques pogo fruits supplémentaires, j'imagine. Quoique, peut-être la flemme aussi. Ouais, la flemme en vrai. Déjà, j'ai beaucoup de chemin à faire. C'est pas. Allez, tu sais, j'ai cours demain. Mais Opium Sama, mais va te coucher, putain. Fais pas le con. Après, tu vas dire que c'est de ma faute et tout, genre. Alors que pas du tout. Pas du tout. Ta-da-da-da-da-da-da.
Oui, puissance 2. Oui. Onde de choc 350. Même de qui? J'apprendrai plus tard. Ah mais les VOD c'est dans longtemps. Ouais j'avoue. Parce que déjà j'ai les 5 VOD du. Enfin, les 4 VOD du Tesla Viewer à sortir. Puis après j'ai le. J'ai l'envie mix. J'ai les VOD d'hier. Non en vrai ça va hein. Parce qu'en fait. Ah quoique après il va y avoir le TC, donc quand je. Enfin samedi, en gros samedi je peux pas sortir de VOD. Ah ouais j'avoue. De Bob. Ok, pas de soucis Bob, j'arrive. J'arrive mon Bob. Merde, c'est après. Je suis full. Alors ici, je vais pouvoir ramasser quelques pogo fruits supplémentaires. On est content, les slam à queue, c'est pas pour tout de suite, ça va attendre. Bien. Ça va, on avance. Ok, je suis à 30 pogo fruits, ça part. Là, il faut faire que monter. Pas monter là-bas, t'es là-bas du coup. Ta-da-da-da-da. Quelques betteraves supplémentaires. Archi content. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Voilà. Je vais être le seul à être con pour ne pas revenir. Mais non. Ah bah, ah 30 ça suffisait? Ok, nice la clé. Ouais, coquette. Là-dedans. La thune et c'est tout. Ça me va. Ok. Normalement, là, c'est bon. Je pense que je suis au top. Ouais, je suis au top. Maintenant, faut redescendre. Ça, il n'y a pas de dégâts de chute. Je ne sais plus où est le téléporteur. Il est là, non? Je viens d'ici, non? Non? Si. Ok, donc ça c'est fait. J'ai récupéré la clé. Je vais pouvoir aller chercher les slime rads. Qui vont me changer la vie. Ils vont littéralement me changer la vie. Ah oui, il faut aussi que je repêche les slime cristal. Ouh, ça a commencé à devenir compliqué là en termes de gestion de slime. Là, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je vais le faire, mais je sais pas encore comment. Bon. Bon. On se dit que ça va être ok. Putain, je récupère tellement de poupoune maintenant, du coup, ici. Trop bien. Alors, comment je m'organise? Déjà, je vais filer tout ça à bouffer. Merde. Je vais en avoir trop, après ça va être la merde, là, ça va être le zbul là-dedans. Bon tant pis, c'est pas grave, je ferai le tri au pire plus tard. Non, pas ça! Putain. J'adore ces bruits. Voilà. Ça ils ont à bouffer pour quelques temps. Ou ici, hop. Étrave. Bravo. Et. Aïe. Je vais récupérer les pommes. Putain, j'ai tellement besoin de thunes. C'est un enfer. C'est un putain d'enfer. Ok. Alors attends, j'ai 3 trucs à récupérer. J'ai 2 slimes à récupérer. Plus quoi déjà? Je me souviens plus. J'ai un autre truc à récupérer. Ah ouais, un fruit. Ou un légume. C'est plus un légume. C'est plus un légume, indeed. Ok, let's go baby, c'est parti. Il va falloir que je commence à stocker des plantes roses également. Ah, beaucoup de choses à faire. Hein. Beaucoup de choses à faire. Je suis con, c'est pas la nuit.
c'est pas une risque pas de trouver tout. La carrière indigo, voilà. La carrière indigo. Ouais. Pas ici. Nice, la carte. J'attends. Voilà, ça j'ai la carte, on est content. Je continue là-bas. Salut Skyne. Nice. Je vois que ça drop quelques frames. Je pense qu'il y a que chez toi. Parce que j'ai pas eu la remarque ce soir du tout. Malheureusement, je suis désolé de te dire que ça vient peut-être de chez toi. Bien. Bonsoir à toi, Arzugar. Pense au pas drop. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Les plus beaux slimes du game. Aïe. Ça suffira. J'en ai pas besoin de plus de toute façon. Ah. Putain. Je voulais enrichir mon slimepedia et la coquette s'est fait bouffer. Bon, les slimes m'accueillent ici encore. Pour l'instant, je no care. On arrive dans la nuit, donc j'ai bientôt pour avoir mes slimes adorés. C'est là à toi, Jisabion. Nice, les rades. Des rocheux histoire de pas être emmerdé. Ah, il me faut ça aussi. Hop. Et bouffez pas tout, putain, j'en ai besoin, bande de bâtards. Ah, t'es sérieux? Ils ont tout bouffé, les enculés. Putain, j'hallucine. Y'en a plus? Y'en a vraiment plus, genre. Putain, t'es sérieux? Oh les bâtards! Putain, mais ces slimes bouffent trop, c'est un truc de ouf! Vous êtes tous des gros porcs! Je vous déteste. J'ai pris cher par contre avec les radiations et les coups. Là, j'imagine. Non. Putain, c'est des betteraves, je m'en bats les couilles. Non, toujours pas. Toujours pas. Pas là-bas, j'en trouverai plus. Là, il y en a. Voilà, ok. Accessoirement, je peux aussi faire ça. L'oignon bizarre. J'en ai pas besoin pour l'instant. Et du coup, faut que je m'occupe des luminos, je ne sais plus quoi en foutre maintenant du coup. Je vais les coupler avec une autre espèce plus tard. Je vais les garder pour l'instant, je vais juste les stacker. Continuer à faire quelques plorts. Ça me fera de la thune later. Non. Non, j'avais plus d'énergie, j'ai tout perdu, faut que j'y retourne. Ah putain, j'ai envie de me pendre, fuck my life quoi, genre vraiment, il va te faire foutre. Fais chier, j'avais tout. Putain de merde. Oh, fais chier. Ah là, j'ai trop le seum. Nice. Ça me fait suer. Ça me fait grave chier.
Ça me fait gracher, j'étais archi bien, j'avais tout. J'avais plus qu'à rentrer quoi. Ouais, je vais pouvoir être tranquille pendant un petit moment là par contre. Au niveau des... Des petits slimes là-bas là. Tu me diras ici aussi apparemment. Récupérer beaucoup. Ils ont bouffé comme des gros porcs en vrai. Alors que je le vide par contre. Faut que je les vide aussi ici. Ça va me faire la thune, je reconnais. J'ai glissé, chef, mais c'est exactement ça. Non, je suis trop deg en vrai, j'étais trop bien, ça me fait vraiment chier. En vrai, là, ça me fait vraiment chier. J'avais tout. Bon, c'est pas grave, j'y retourne. En vrai, ça me prendra pas trop longtemps. Enfin, en fait, si, ça va me prendre du temps parce qu'il faut que j'aille de l'autre côté de la carrière Indigo. Après, normalement, je crois qu'il y a un téléporteur qui permet de retourner à la base de manière plus rapide, mais j'ai un doute là-dessus. À voir. À voir. À voir. Bon, en vrai, je fais ça. Bon, je suis désolé, YouTube, ça va durer un petit peu plus longtemps comme VOD, du coup. Mais c'est important que je le fasse. Putain, ça, en vrai, ça fait déjà 2 heures que je suis dessus. J'ai l'impression que ça fait 30 minutes, genre. Vraiment, non, mais no joke, c'est un truc de fou. Il est trop addictif ce jeu, c'est un enfer. Oh, il fait rentrer à la base le TP, j'en suis quasi sûr. Ok. Ah bah il y en avait juste là en plus, des putains d'Oka Oka. J'ai oublié d'aller chercher les cristaux. Bon, en vrai, ça va dépendre. Est-ce que je vais avoir des rats ici ou pas? J'en aurais pas. Je les ai que la nuit ici. Va falloir que j'aille plus loin. Donc je récupère les cristaux maintenant. Sinon je vais être emmerdé. Je vais être emmerdé, je le sens. Youpi! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on est bon. On est bon. Il y avait un cercle de rad. Ah ouais? J'ai pas vu. Ah ouais, c'est encore pire que Skyrim, genre. Ah ouais, effectivement. Il y a les rats en pleine journée ici. Ouais, il va en falloir un peu plus que ça. J'aimerais bien en avoir un peu plus. Genre 3 de plus. Tant que je calcule. Ouais, là il va m'en falloir. Il m'en faut même beaucoup plus que ça en vrai. Je vais aller chercher TP. Ça ira plus vite. On a fait les récupérer dans l'eau. Combien j'en ai 9, je vais aller jusqu'à 12 je pense. Je suppose que celui-là, non, il a pas encore bouffé. Nice. Mais ouais, vas-y 10, je pense que ce sera... Enfin 10 en vrai ça me fait 11. J'aimerais bien aller à 15. No joke, je vais aller à 15 en vrai. Ça, tant que j'y suis. Ok, ça va être la jungle. Ça va être la jungle de ouf. Voilà.
J'ai la flemme d'aller chercher. Je peux pas avoir un spawn, genre vite fait. Really? C'est les couilles. Hop, 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 hop. Bon, eux, ils vont faire le ménage de toute façon. Moi, je m'en bats les couilles, je ne reste pas. Bon, apparemment, j'ai pas droit au reset. Tant pis. Je vais changer. Il est où le TP? Je vais oublier. Ah, il est là. J'en trouverai plus après, je pense. Vas-y, je vais m'en garder. Je vais en garder 12 pour l'instant. Tant pis. Je verrai later. Alors, mes chers petits slime rad, venez, 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 venez. Ça va être très intéressant. On fout là-dedans. Ouais, reste. What? Ah, parce qu'ils sautent en plus ceux-là aussi. Merde, 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 merde. Je vais mourir, je vais mourir. Non, ça va. Non, il faut absolument pas qu'ils se mélangent. C'est pas le moment de se mélanger. Non, 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 non. Non, 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 tu dégages, tu dégages, tu dégages. On va mettre un filet, là. On va d'abord aller chercher un filet. Je suis trop plein. Comment je fais? Je sais. Ok. C'est tout problème. On va faire ça. Ensuite, je vais chercher une plorte. Genre là, ouais. Je vais la vendre instant. Comme ça. Maintenant, je me fais quoi? Je vais faire un enclos d'abord. En vrai, j'ai pas besoin de l'enclos. Si, j'ai besoin de l'enclos. Merde. Ah, je sais ce que je vais faire. Non, en fait, je peux pas. Oh putain, comment je fais? Je suis trop plein. Et je peux pas déposer les slime rats parce qu'ils pètent des plombs. Bah écoutez, les amis, je suis désolé, mais ça va être un poil long. Parce que tous mes trucs sont pleins, ce fuck. Et je peux pas déposer mes slimes quelque part. Bon, en vrai, nique. Hein. En vrai, nique, ça va me saouler sinon. Je vais créer un enclos en deux spies. Je perdrai un peu de gold parce que l'enclos me servira à rien. Mais en vrai, il va forcément me servir un jour ou l'autre. Mais genre, j'aurais aimé faire autre chose là maintenant tout de suite de ma thune. Dommage. Je vais le foutre ici pour pas être emmerdé. Alors, on va faire un coral et je vais déposer ça là-dedans. Voilà. Maintenant, on va faire de l'argent. Je commence par quoi? Je vais commencer par cela parce que c'est cela qu'il faut que je clean en premier. Ah oui, c'est vrai, je peux aller qu'à 30 max. Oh putain, ça va être long. Ça va être archi long. Oh lichi, ça va être tellement long. Ouais, on va éviter de laisser traîner des plortes, sûr. Oh, ça fait tellement long. Holy shit. Ah putain, je m'attendais tellement pas à ça. En vrai, non, ça va pas être si long que ça. Voilà, parce qu'avec une vente, je peux déjà récupérer au mur et filet aérien. Donc vu que j'ai ça, on va pouvoir foutre ça là-dedans. C'est déjà ça de gagner. Ensuite, non, faut que je refasse une vente. On va refaire une autre. J'ai raté. Alors, on va se refaire une petite vente. Et là, je vais aller chercher de quoi faire. Hein. Il sort pas, il sort pas. Là, je vais aller chercher de quoi faire ça. Hop. Voilà, 1210, c'est plus, du coup, on va pouvoir faire ça, je vais pouvoir récupérer ça,
pouvoir appuyer sur E, on va pouvoir faire un petit jardin. On va pouvoir stuffer le jardin. Ouais, je vais mettre l'arroseur aussi. On va pouvoir foutre ça là-dedans. On va pouvoir leur filer à bouffer pour qu'ils se calment. Merci. Ensuite, on continue. Je vais me faire tellement d'argent. C'est le début d'un empire. Le début de mon empire. Là, on commence à faire des bébés. Ouais, il y en a au moins un. Bon, par contre, il va vite falloir que je les calme. Parce que bon, ceux-là, ils sont vénères. Nice. Je vais leur filer de la petite musique pour qu'ils soient moins chiants. Boîte à musique. Il faut aussi un collecteur de plantes là-dessus. Mangeur automatique, ce sera pour plus tard. Et bouclier solaire. On s'en bat les couilles. Ouais, ça va être un peu un petit bordel. Hein. Ça va être un petit bordel, mais j'y crois. Bien, on récolte. Là, je vais améliorer mes capacités à transporter les trucs, parce que sinon, on va vraiment y passer la journée. Je prends toutes les améliorations. Ah, un propulseur pour jetpack amélioré ? Oh, je suis chaud ! C'est ça qu'on veut, en vrai. Plus de mobilité, toujours plus de mobilité. Ouais. Ok, enfin, pour l'instant on est bon. D'ailleurs toi tu veux quoi, by the way? Poule poulet. Ah non, la flemme. Oh, la flemme de ouf, toi, j'en ai rien à foutre. Alors là, rien à cirer. Alors, propulseur, oui. Onde de choc, oui. Cardio machin, on s'en fout. Ah putain, c'est ça que je voulais prendre en premier et j'ai... Ah, je suis vraiment un pire des trolls. Tant pis. Quand j'aurais vidé ça, je serais bien. Ok, nice. Ok. Maintenant qu'on a fait ça... ah oui, j'achète de quoi pouvoir transporter plus de trucs. Nickel. Cardio module aussi, pourquoi pas. De toute façon, je vais tout prendre, on s'en bat les couilles. Maintenant que je peux aller jusque 40, je recommence. Ah. Là. Pour les tèges. Je sais ce que je fais, vous en faites pas, je sais ce que je fais. Pourquoi c'est là ça? Ta mère, ta mère! Ah, casse-toi. Casse-toi aussi. Casse-toi aussi. Attends, mais pourquoi? Pourquoi ça saute là? Qu'est-ce qui... Aïe! Ça va. Je continue. C'est chiant de viser des enclos. Aïe. Non mais attends, mais... Pourquoi ils sortent là? C'est quoi ces conneries? D'où ils sortent? Genre y'a rien là-dedans. Pourquoi y'en a qui sont par terre? Je comprends pas. Bon bref. Ça là-dedans. Couplé. Ah, il faut que j'aille rechercher les autres. Nice. Ok. Alors, en plus, que j'aille rechercher des luminos, mais je sais pas ce que je vais en foutre des luminos. Je sais pas avec quoi je vais les coupler. Je verrai ça plus tard, j'imagine. Là, je vais récupérer cela. Aïe. J'en avais 8, j'en ai récupéré 8, nickel. Pouf, on s'en sort. Non, pas décalage son image.
Pas de décalage. C'est validé. Putain, il est revenu lui. Reviens. Et redégage. What? Bon. Alors. Tac. Ah merde, j'en ai beaucoup qui ont pourri. Ah, ça fait un peu chier par contre. J'ai fait du gâchis. Mon bad. Alors, on va pouvoir nourrir tout ça. Ah, c'est bien ça. Allez, nourrissez-vous, surtout n'hésitez pas à bouffer les plortres des autres. Moi ça me fait plaisir. Ça fera plus de thunes. Je vais faire pareil pour les autres. Voilà. Alors. Maintenant que j'ai ça ici. Toi, bouffe. Ça. 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 Ça, c'est de l'élevage exponentiel. Nice. Alors, on vise bien de 1, de 2, de 3. Aïe. Ils sont tous transformés là, c'est bon? Ok, ça m'a l'air d'être ok. Ça va être un sacré bordel. Hein. Il va vite falloir que j'arrive à les séparer les uns les autres parce que... Non, attends. Ceux-là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais les laisser là. Ça, je vais récupérer. Je comptais jusqu'à combien? Ah, je peux monter jusqu'à 50. Ah non, pas du tout. Ok. Ça, je peux aller jusque 40. Pas encore 50, mais 40, c'est déjà bien. Putain. Quoi? Onde de choc, ça repousse les slimes. Oui, oui, je sais. C'est quoi déjà le raccourci pour onde de choc? C'est ça, non? Ah, c'est ça. Oui? Oui? Ah oui. Et c'est là où je vais exploser. Je vais crever plafond des prix, là, les gars. Là vous êtes pas prêts, hein. Là je vais me faire de la thune. Yes. C'est parti. Alors j'étais à 1000 de thunes, hein. On rappelle. Oh un seul. Attends j'arrive. Oh. Oh. Oh le plus 59. Non. Ah merde, j'aurais dû attendre du coup que les prix changent parce que là, au lieu de faire du plus 59, je vais faire du plus 29. Merde. Tant pis. Putain, vous voyez, le coût de la bourse a changé, ça me fait chier. Bon, j'ai fait du plus 5000. On peut se dire que c'est worth. Ça continue. Merci beaucoup, Ferjac, pour ton sub. Bienvenue à toi dans l'aristocratie, mon cher ami. Profite des émotes CXX en espérant qu'elles te plaisent. Profite de ton rang d'aristocrate sur Discord en linkant ton compte Twitch à ton compte Discord. Et surtout, si jamais tu joues à Trackmania, si jamais t'en as entendu parler du jeu, n'hésite pas à venir faire un tour sur le Discord également pour récupérer ton skin spécial membre aristocratie. Bien sûr, chaque sub possède son skin personnel, enfin pas personnel du coup, mais son skin custom pour Trackmania. Donc si jamais tu veux en profiter, n'hésite pas, tout est à toi sur Discord. Merci encore à toi pour le soutien et bienvenue. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Nous allons être goldés. Je sais qu'on peut y arriver. Ouais, vous voyez, ça a mis du temps à mettre en place. Hein. Mais là, vous voyez bien quand même que... Et c'est pas fini. Hein. Et c'est pas fini. Hein. Ça continue. Hein. Ça continue. Bon ça, en vrai, si en 2h30 de gameplay, j'arrive à me faire autant de thunes, ça promet pour la suite. Là on part clairement sur des bails avancés. Ça c'est vide. Ça c'est en train de se remplir tranquillou. Je vais attendre. Histoire de varier les ventes pour me faire plus de thunes à certains moments.
Hop. Et hop. Nickel ça. Je reconnais. Par contre, du coup, ce qui me fait chier, c'est que... Bah, en fait, les fraises me servent plus à rien là pour le moment. Donc comme ça me sert plus à rien, on va pas être débile. On va fermer ça. Démolir le terrain. On va se prendre un silo. Qu'on va améliorer. À fond. Et on va commencer à stocker différents trucs dedans. Genre des plortes. Pour faire varier les coups. Comme ça, on pourra récolter beaucoup plus de thunes à certains moments. À d'autres, un peu moins. Et ça se passera bien. Bon, maintenant, je vais pouvoir mettre les enclos à fond partout. Mangeoir automatique. Ici aussi, mangeoir automatique. Enfin, boîte à musique plus mangeoir automatique. Là, ça part. Hein. Là, j'ai de la thune. Là, ça claque. Là, ça claque. Hein. Aucun problème. Les slimes, on va les mettre aux petits oignons. Histoire qu'ils se sentent ultra goldés. Hop. Voilà, magnifique. J'ai pas encore fini de récolter toutes mes plorques, moi. Et voilà. Attends, je vais être à fond là, oui. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. Bien. Et ici, pour l'instant, je vais les laisser stacker. Je vais les laisser stacker. Ça, clairement, je peux faire la vente. Ça va pas me rapporter. Par contre, les cristaux, je vais les laisser monter pour l'instant. Je vais me focus sur rose, gris, bleu et ceux-là, du coup. Parce que pour l'instant, c'est ceux où j'arrive à faire le plus de profit. Enfin, du coup, non, c'est ceux dont le coût est en baisse. Donc, du coup, le coût des autres vont monter de manière... incroyable. Une fois par exemple que le vert, genre en gros, une fois que le rad aura dépassé la barre des 70 par exemple, que celui-là sera au niveau des 80, que celui-ci sera au niveau du 80, voilà, parce que juste ces trois là je pourrais tout vendre parce que j'en aurai 100 de chaque à peu près, même plus que ça, et à partir de là on pourra se faire énormément de thunes. Voilà, bah écoutez, moi ça me paraît honnête hein. Et du coup, on va pouvoir commencer à faire de l'argent comme il se doit, là, je reconnais. Du coup, on pourrait même aller débloquer d'autres espaces du ranch pour faire plus de culture, par exemple. Histoire d'augmenter les bails, etc. Machin. Enfin, il y a ce truc à faire. On n'est pas pressé. Maintenant qu'on sait bien setup, on va clairement pouvoir développer tout ça. Je pense que quand même, ce que je vais faire, c'est que je vais au moins ouvrir le labo. Et ça permettra de pouvoir mieux passer entre mes... Ah, c'est 10 000. Peut-être pas maintenant. Peut-être pas maintenant, du coup. Holy shit, 10 000, bro. Eh, coûte cher. Putain. J'ai activé la grotte, plutôt. J'ai activé la grotte, comme ça, je vais pouvoir faire plus de plantes de oka-oka, plus de plantes de betterave. Je vais pouvoir aussi faire plus de plants de pommes. Pour cela. Et comme ça, je vais pouvoir aussi refaire un enclos pour mes futurs luminaux. Je vais faire ça. Je vais tout de suite aller ouvrir un enclos. On va le foutre là, genre. Coral. Murpo, boîte à musique, filet aérien. Pas besoin du bouclier, c'est là, parce que on est dans la grotte. Collecteur de plortes, mangeoir automatique. Et on est bon. Voilà. Ah, j'ai acheté le bouclier solaire au final? Non, c'est bon. Parce que là, du coup, vu qu'on est à l'abri du soleil... Sauf ici, et ben du coup, on n'a pas besoin de mettre un bouclier solaire. Et oui, ce qui est logique, tu me diras, c'est logique. Mais... C'est pourquoi les maps compétitives tech actuelles sur TM2 sont déplaisantes à jouer. Elles sont déplaisantes à jouer parce qu'elles sont dures, tout simplement. Elles sont vraiment dures, et donc du coup, bah forcément, c'est... Pour prendre du plaisir sur les maps, il faut plus passer du temps dessus. J'étais pareil que toi, j'avais vraiment du mal avec le nouveau style tech actuel. Qu'on trouve sur Trackmania, mais au final, bah, je m'en suis plutôt bien sorti puisque j'ai plutôt kiffé. Mais c'est vrai que ça m'a demandé pas mal d'investissement. Il est vrai. Alors, on va lire nos mails, après on arrêtera là pour aujourd'hui. Bob. Bonjour, bajour, poulet. Bonjour, poulet. Bonjour, Bob.
PS, poulet. Je pense qu'il veut des poulets. Mais c'est chiant à récolter, du coup, c'est relou. Alors, la société a l'honneur de vous convier dans notre règle exclusive compté Club de Récompense 7Z. Le Club de Récompense 7Z vous permet d'obtenir des rangs ultra premium dans un club exclusif pour un prix semi-ultra premium seulement. Ouais. D'accord, en gros, c'est un truc qui va me coûter la peau du cul. Chaque rang vous procure un nouveau titre au sein du club, ainsi que des récompenses uniques telles que des superbes améliorations pour votre range, des options de personnalisation exclusive et plus encore. Nous avons hâte de vous avoir dans nos rangs. D'accord. Et le Lord de Mort que j'ai la flemme de lire. Et donc, du coup, le club de récompense 7Z. Girouette Coco. Amélioration de la clôture, amélioration du chemin, amélioration de la terrasse. Bon, ça, en gros, c'est que des trucs visuels, mais je sais qu'il y a des paliers après qui peuvent être intéressants. En termes de grade. Et puis bon, vu que là j'ai un range qui tourne plutôt bien, on va se mettre bien, aucun problème. Bon, c'est pas trop, mais le temps passe, on dort jusqu'au matin, on revient au range, et à partir d'ici, on fera ça pour une prochaine session de gameplay. Allez, à plus YouTube, j'espère que t'as kiffé, et à bientôt.